pyjamas qui est à tour au Tom. Oh, wow, qu'est-ce qu'il y a eu? On dirait qu'une énorme pierre lui est tombée dessus. Mais qui a bien pu faire ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble un peu à un fourmilier, ou plutôt à un ornithorynque. Si un méchant est derrière tout ça, il aura affaire à nous. Pyjamask, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Lévi! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Pyjarobot, montre-nous l'air de jeu. Mais qu'est-ce que c'est? Une pierre qui roule? Regardez, elle fait des zigzags pour prendre les virages. Mais un caillou ne ferait jamais ça. Venez, il faut qu'on l'arrête avant qu'elle ne détruise le reste de la ville. Tous au chabolide! Celui qui a fait ça est super costaud. Glu glu méga muscle. Attendez, qu'est-ce que c'était? Oreille de chat. Là-bas. Hein? Le voilà. Oh! Restez où vous êtes, c'est moi qui m'en occupe. Boum! Ça, c'est une entrée en scène réussie. Signé Tatou Rotom. Épatant, non? Mais qui es-tu? Je suis Tatou Rotom, le tout nouveau héros de cette ville. C'est juste un enfant, comme nous. Je trouve que pour un enfant, il est vraiment très, très grand. Et qu'est-ce qu'il veut dire par le tout nouveau héros? Oups, désolé. Je ne maîtrise pas encore mes nouveaux super pouvoirs. C'est toi qui as fait autant de dégâts? Oui, c'est parce que j'essayais ma nouvelle super technique que j'ai appelée le Tatou Tonnerre, signé Tatou Rotom. Oh, je dois encore l'améliorer. Enchantée, Tatou Rotom. Je m'appelle Bibou, lui c'est Gluglu et lui Yo-Yo. On est les pyjamasques. J'essaye d'y aller doucement, mais j'ai du mal à maîtriser ma force tellement je suis costaud. Ouais, je te comprends. Moi aussi, je suis super costaud. Bah oui, tu es costaud, mignon petit lézard. J'ai une idée. On pourrait devenir super copains. Pourquoi pas? Je vais y réfléchir. Oh, je crois que ça va me plaire d'être le nouveau héros. Comment te dire? C'est nous trois, les héros, ici. Mais il y a toujours de la place pour un nouveau héros. Génial, parce que je suis impatient d'entrer en action. Regardez ça. Le Tatou Tonnerre, signé Tatou Rotom. Désolé. Moi aussi, je peux le faire. Oh, en fait, non. À l'aide! Au secours! Délivrez-nous, les pyjamas! Ninjaka, c'est quoi cette histoire? L'histoire d'un héros qui arrête les méchants! J'avais rien fait de mal! Il faut me croire! On s'entraînait gentiment à faire la ninja pyramide! Soudain, le sol a tremblé! Une grosse boule a foncé sur nous et nous a fait tomber! Et ensuite? Ensuite, on a renversé une poubelle! Mais c'est parce qu'on n'a pas pu l'éviter! Attends, c'est tout? Non! Le trottoir était couvert d'ordures! Heureusement que j'étais là pour intervenir! Mais on l'a pas fait exprès! Et avant qu'on ait pu nettoyer, ce fourmilier nous a... Je suis un tatou! Bah, peu importe! Cette bestiole nous a emprisonnés! C'est...
C'est vrai ce qu'il raconte? Absolument! Justice a été rendue! Grâce à qui? À Tatourotom! Maintenant, ils y réfléchiront à deux fois avant de tout salir! Ça me fait bizarre de prendre la défense de Ninjaka. Tu sais, ça ne se fait pas d'entortiller des gens en haut des lampadaires. Mais ils ont sali la rue! C'est arrivé parce que qui leur a foncé dedans? Le héros Tatourotom! Je n'y avais pas réfléchi. Il n'est pas tout à fait prêt, le nouveau héros. Il a dit qu'il venait juste d'avoir ses pouvoirs. Il faudrait qu'on l'aide pour qu'il devienne un vrai héros. De quoi vous parlez, tous les trois? On pense que tu as tout pour faire un vrai héros. Ah, je le savais. Si on t'aide un peu. Je comprends pas. Tu vois, quand on a des super pouvoirs, il faut savoir s'en servir au bon moment et de la bonne manière. Même nous, tu sais, on a mis du temps à apprendre à utiliser les nôtres. Oh, j'ai compris. Vous dites que je suis moins bon que vous. Non, on dit juste qu'être un héros, ça s'apprend. Et nous, on peut t'aider à maîtriser tes pouvoirs. Et à faire les bons choix. Dites les pyjamasques, vous nous avez oubliés? C'est bon, j'arrive. D'abord, vous dites que je suis moins bon que vous. Et ensuite, vous délivrez les méchants que j'ai capturés? Pas question, c'est moi le héros. Et c'est moi qui décide quand on les libère. Mais ils n'ont rien fait de mal. Un vrai héros ne punirait pas quelqu'un qui n'a fait aucune bêtise. Tu es en train de dire que moi, je ne suis pas un vrai héros? Je n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Mais qu'est-ce qui te prend? Je vais vous montrer de quoi je suis capable en vous défiant au combat. C'est plutôt les méchants qui disent ce genre de trucs d'habitude. Voyons, Gluglu, c'est juste un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pas encore. Il faut qu'on agisse immédiatement. Je vais le faire revenir. Gluglu, est-ce que tu arriveras à l'arrêter dans sa course? Toi, Bibou, tu le bloqueras avec tes plumes. Comme ça, on pourra lui parler tranquillement. Tatourotom, essaie de m'attraper! C'est comme si c'était fait. Par ici, mon grand! Tu joues les escargots! J'ai l'impression que ça ne tourne pas rond! Au contraire, ça roule! Peut-être, mais plus pour très longtemps! Glu-glu, méga muscle! Wow! À moi de jouer maintenant! Bibou, mille plumes! Et voilà! Beau travail d'équipe! Wow! En plus de sa force et de son armure, il creuse des tunnels! Vous voyez que j'ai du talent! Bientôt, ce sera moi, le seul et unique héros! Qu'est-ce que c'est que ça? C'était ma botte secrète, le Tatourbillon! Signé qui? Tatourotom, bien sûr! Wow! Qu'est-ce qu'il est fort! Vous abandonnez le pyjamasque? Pas du tout! Maintenant, c'est notre tour! Allez-y, je vous attends, je suis prêt! Bon, d'accord, tu l'auras voulu! Il est temps de montrer à notre ami ce que ça donne quand on maîtrise ses pouvoirs! Bibou! Bibou Tornado! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Juste une petite démonstration de mes pouvoirs! Glu-glu! Glu-glu, méga muscle! J'ai la tête qui tatourne. Où t'es passé, Glu-glu? Pas très loin. Comment est-ce que vous avez appris à faire tout ça? On s'est entraîné. Parce que tu vois, on a tous plusieurs pouvoirs, mais on a dû beaucoup les travailler pour les maîtriser. Tu devrais t'entraîner toi aussi. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Je reconnais que vous m'avez impressionné.
C'est vrai qu'il me reste 2-3 choses à apprendre. Et nous, on est prêts à t'aider, mon grand. Merci. Allez. Ben là, tout de suite, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Eh ben, voilà, c'est pas trop tôt. Venez, les ninjas zouaves, on file d'ici. J'ai assez vu ce fourmilier, enfin ce tatou pour aujourd'hui. Ya! Voilà, je crois que j'ai réparé tous mes dégâts. À la prochaine, les pyjamis. Je crois qu'on l'a convaincu. Je l'espère, en tout cas. Ce serait dommage qu'il passe du côté des méchants. Pyjamasque, on crie hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Hein? Quelque chose me dit qu'on le reverra, Tatou Rotom. Affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Pigeon robot, j'ai ramené la chose invisible contre laquelle Bibou s'est cogné. Vous avez vu ça? On dirait... Oh, Roméo! Hein? Roméo? À la porte du QG? Allons voir ce qu'il veut. Pyjaminus, j'imagine que vous vous demandez ce que je fais ici, pas vrai? Exact, mais comment tu as deviné? Voilà, j'ai enfin trouvé un moyen de faire ce que je veux sans que vous veniez m'en empêcher. Tiens donc. Tout à fait, vous ne pourrez rien contre ma dernière création. Je vous présente ma plus grande invention de tous les temps, le rayon d'invisibilité. Oh, c'est pas très original. Moi je deviens invisible quand je veux grâce à mon reptile au camouflage. Alors, c'est toi qui as fait disparaître ta propre statue? Ça vous a plu, j'espère. Je peux tout faire disparaître et réapparaître. En l'utilisant sur moi, je me rendrai invisible. Vous avez besoin que je vous explique? Vous ne me verrez plus jamais. Et je pourrai faire tout ce que je veux. Et vous deviendrez le maître du monde. C'est vrai. Ensuite, je deviendrai le maître du monde. Je vais vous faire une petite démonstration sur robot. Maître, vous aviez promis de me prévenir d'abord. Oups, je te l'ai dit. Et revoilà le robot. Wow, robot est de retour. C'est malin, regarde ce que tu m'as fait faire. Maintenant, la cervelle de moineau est invisible. Ça ne faisait pas partie de mon plan. Excusez-moi, maître. Tu peux me faire réapparaître maintenant. Avec plaisir. Pas question d'avoir un deuxième pyjamasque invisible en plus du lézard. Hein? Bon, tiens-toi tranquille le temps que je... Hein? Quoi? Plus de batterie! Robot, surveille-les pendant que je vais recharger le rayon! Entendu, maître. Je suis invisible? Ah, c'est un cauchemar! Il y a école demain! C'est le jour de la photo de classe! Il faut qu'on récupère le rayon de Roméo pour faire réapparaître Bibou.
Je me charge de distraire Robo. Je me charge du rayon. On essaiera de le rapporter au QG pour le recharger. Je fais quoi, moi? Youhou, les copains! Stop! Le maître a dit que Robo devait vous occuper. Oh! Alors voyons si tu sais faire ça. Bien sûr. Ouais, pas mal. Et ça, tu y arrives? Yo-yo, rapido. Mais, j'arrive aussi à faire ça. Hein? Hey! Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Les copains! Robo, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es là pour les surveiller, pas pour t'amuser. Oui, maître. Excusez-moi, maître. Allons-y. Oh, je vous tiens. Oh, mince. Ouais. Eh bien, ça secoue. Je vais essayer avec mes glu-glu mains collantes. Attendez-moi, maître. C'était très amusant. C'est plus dur que je ne pensais. Aïe! Oups, désolée. Je ne t'avais pas vue. Forcément. J'aurais pu vous aider si vous m'aviez dit quoi faire. C'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne fais plus partie de l'équipe. On est désolé, on ne l'a pas fait exprès. C'est vrai, on a oublié que tu étais là parce qu'on ne te voit pas. Je suis de l'autre côté. Tu vois, on n'a pas l'habitude, c'est tout. Parce que, en général, c'est moi qui suis invisible. C'est vrai. Oh, j'ai une idée. Je peux récupérer le rayon moi-même puisque personne ne me voit. Suivez-moi. Robot en patrouille. Robot en patrouille. Robot en patrouille. Et maintenant? Bibou! Bibou! Oh oh, je crois qu'elle est partie. Oh, je viens d'avoir une excellente idée. J'aurais dû y penser plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Robo? Je n'ai rien dit, maître. Pourquoi tu as frappé? Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux que servir mon maître, bien sûr. Je suis occupée, je recherche le rayon. Alors arrête de frapper à la porte. Mais je n'ai rien fait, maître. Si, j'ai très bien entendu, tu as frappé. Non, maître. Si, si et si. Hein? Hein? Oh, hé! Non, 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 non. Tenez-vous, maître. Bibou, où es-tu? Hein? Oh, oh, je crois qu'elle est là. Viens. C'est toi qui as laissé entrer le crâne de Piaf. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Désolé, maître, je ne l'ai pas vu. On a failli perdre le rayon. Ouvre l'œil, s'il te plaît. Oui, maître. Bibou, je suis là. Hein? Vous avez vu? Non, on n'a rien vu, nous. Je te rappelle que tu es invisible. Ben, j'étais à ça de récupérer le rayon d'invisibilité. Tu aurais pu nous laisser t'aider. Je pensais que j'y arriverais toute seule. Tout à l'heure non plus, vous ne m'avez pas laissé vous aider. Je crois qu'on a tous eu tort. Visible ou invisible, il faut absolument qu'on fasse équipe. C'est la seule façon d'empêcher Roméo d'utiliser son rayon. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est l'heure d'être de vrais héros. Tous les trois. Oh, je suis là. Hein? Batterie rechargée. À mon tour de me rendre invisible. Et de devenir le maître du monde. Justement, j'allais le dire. Et de devenir le maître du monde. Hein? Tu crois que si on ne te voit pas, tu pourras faire tout ce que tu veux? D'accord, alors on va jouer tous les deux. Où est-ce qu'il est passé? Tous les trois, tu veux dire? Tous les quatre. Je suis tellement rapide que tu ne me vois pas non plus. Bah les pattes, personne ne touche à mon rayon d'invisibilité. Bon, tout ce que je veux, c'est utiliser le rayon pour me rendre invisible. Oh, ce n'est pas juste. Moi, je ne peux pas vous voir. Maître, pourquoi ne pas utiliser vos lunettes de vision nocturne? Ah, j'ai une idée. Je vais utiliser mes lunettes de vision nocturne pour les voir. Vous voilà. Hein? Robot! Sauve qui peut! Oui, maître.
me faire réapparaître. Attention, maître. Il ne reste plus qu'une seule chose à rendre invisible. Moi, s'il te plaît. Glu-glu, va prendre ce panneau. Tout de suite. Mais où est-il passé? Où est passé mon rayon? Robo, secoue-toi les boulons! Aide-moi à retrouver mon rayon d'invisibilité! Mais maître, votre rayon est invisible! C'est ça ton excuse pour ne pas le chercher? Aide-moi, dépêche-toi! Oui, maître, à vos ordres, maître! Oh! Alors c'est toi qui l'as? Génial! Maintenant je m'occupe du reste! Tu vas avoir du mal à le retrouver maintenant! Vite, Robo, viens! Oui, maître! Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les temps! La montagne des farfelous! Oh, je me suis encore fait engluer par mes propres étoiles collantes! Je reviendrai, les pyjamasques! La montagne mystérieuse est à moi! Ninjaka n'a toujours rien compris! La montagne est à tout le monde! Oui, elle est assez grande pour qu'on puisse tous la partager! Elle est magnifique! Respirez ce bon air! Et on peut sentir qu'elle cache des secrets. D'ailleurs, c'est sûrement l'endroit idéal pour augmenter nos pouvoirs. Ah oui? Tu crois? J'ai fait des recherches sur les arts martiaux. Pour devenir aussi sage que Maître Fang, il faut savoir garder son calme. Il n'y a pas mieux que l'air de la montagne pour se sentir zen. À la prochaine, montagne mystérieuse! J'ai déjà entendu les mini-ninjas en parler l'autre soir. Une montagne? Ce serait un super endroit pour s'amuser, pas vrai? On pourrait camper et faire griller des marshmallows. Moi, je préfère les roses. Attendez! On va l'appeler la montagne farfelou. Elle sera rien qu'à nous et à personne d'autre. Comment les pyjaminus sont faits pour passer à travers le mur? Peut-être qu'il faut qu'on mette nos pyjamas, nous aussi. Non! Pas question de mettre mon pyjama, ni de me brosser les dents. Et je ne veux pas aller dormir. Ce qu'il nous faut, c'est un plan super malin. Pourquoi pas un plan juste un peu malin? Maître Fang a écrit tout un livre sur la méditation. Pour méditer, il faut s'asseoir au calme et respirer. On pourra le faire sur la montagne. On peut aussi méditer ici, à la bibliothèque. Oh, quel bazar! Tous les livres sont par terre. Et là, il y a des étoiles collantes. Et des traces de pattes. On dirait que les ninjas et les farfelous préparent quelque chose. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Salut, Pyja Robot. Tu veux bien nous montrer où sont les ninjas? Ils sont dans un arbre, tous chabolides. Qu'est-ce qui s'est passé? Les trois toutous à fourrure nous ont encerclés et nous ont fait leur hurlement garou. Ils ont volé mon parchemin qui ouvre le passage vers la montagne. Les farfelous veulent aller sur la montagne? Ça sent les gros ennuis. Oui, enfin, on a dit que la montagne était à tout le monde. Peut-être qu'ils veulent simplement faire une petite promenade. Loon, t'es sûre d'avoir fait comme il faut? Oui, c'est toi qui es trop lent. Recommence. Plus vite. Arrêtez. Allez-vous-en. Vous ne nous empêcherez pas d'entrer. Oh,
pourra vous en empêcher. Oui, vous pouvez y aller, si vous voulez. Mais ne faites rien de méchant. Quoi? Dans l'autre sens. Et voilà. Mais n'oubliez pas, la montagne mystérieuse est à tout le monde. Non, maintenant c'est notre montagne. Oui, c'est la montagne des farfelous. J'y vais la première. Non, c'est moi. Ils n'ont pas dû écouter quand tu as dit que la montagne était à tout le monde. Allez, pas si vite. Elle est à moi, cette montagne. Serpent rampant. Blu-blu, méga plus. C'est trop génial. Elle est parfaite, cette montagne. Et là, regardez une grotte. La grotte des farfelous. Oui, on va s'installer ici. On verra arriver tous ceux qui grimperont. On va mettre nos empreintes de pattes partout. Ça leur fera tellement peur qu'ils repartiront. Oh, un bon hurlement garou suffira. Oh, c'était quoi ça? D'autres farfelous? Et ils ont l'air d'être féroces. Mais non, c'est juste de l'écho. De l'écho? Ça, c'est un nom bizarre pour un farfelou. Non, un écho, c'est un son que l'on fait et qui rebondit vers nous. Je l'ai lu dans... Comment ça s'appelle? Ah oui, je sais, dans un livre. Une grotte qui parle, c'est trop génial. Une grotte à hurlements garous. Ça suffit, descendez tout de suite de ma montagne. Tu vas devoir nous forcer à descendre. Waouh. Merci les toutous, vous m'avez donné une excellente idée. Ninja doigt magique. Suffit. On vous l'a pourtant dit, cette montagne est à tout le monde. Pourquoi vous chamaillez alors qu'on pourrait la partager tous ensemble? Les ninjas la connaissent comme leur poche, ils pourraient vous faire visiter. Bon, on vous a assez entendu. Ninja doigt magique. Ça leur apprendra à venir sur la montagne des ninjas. La quoi? Tu veux dire la montagne des farfelous? Suivez-les! Hors de question de les laisser s'emparer de notre montagne! On ne se laissera pas faire! J'ai une idée... Il n'y a vraiment que les pyjanouilles pour penser qu'on pourrait partager cette montagne tous ensemble! Rattrapons le farfelou! J'y suis! Presque! On a trouvé notre tanière! C'est fermé! Ne t'inquiète pas, je leur réserve une petite surprise. Tiens, tiens, me revoilà mes petits amis à fourrure. Va-t'en, ce palais est à nous. Oui, je sais, on a tous compris. C'est la montagne des farfelous, maintenant. Et c'est avec grand plaisir que je peux vous montrer comment on entre dans votre nouvelle demeure, le palais des farfelous. Non, on va y arriver tout seul. C'est dommage, ça vous ferait gagner tellement de temps. J'ai hâte de voir vos magnifiques fourrures à l'intérieur de votre palais. Vous l'avez bien mérité. Et voilà. C'est trop super, non? Où est-ce qu'ils sont passés? Merci pour votre idée. Mais quelle idée? De partager la montagne avec les toutous. Je leur ai ouvert les portes de mon palais, mais je crois qu'on n'est pas prêt de les revoir. Hurlement garou! On va pas se laisser faire. Ninja doigt magique, mettez le turbo. Je ne veux plus voir un seul poil de loup sur cette montagne. Finalement, ça va être dur de méditer ici. Entre les loups qui hurlent et les ninjas qui volent. Qu'est-ce que c'est que ça?
montagne cache encore des secrets. Bizarre. Je viens de remporter une bataille contre les farfelous. Et voilà que... Hein? Ah, arrête ce rocher, Glu-Glu! Il est bien trop gros et trop rapide. Courez! Le rocher nous fonce dessus. Adieu les farfelous. Bon débarras. Et une fois que je me serai débarrassé de vous, les pyjaminus, cette montagne pourra enfin redevenir celle des ninjas. Et tu comptes faire quoi du rocher géant qui nous poursuit? C'est la faute des farfelous. Ils ont déclenché l'époulement avec leur hurlement stupide. C'est aussi ta faute. Ce sont vos disputes qui ont fait bouger toute la montagne. Vous l'avez peut-être mise en colère. C'est pour ça que le rocher s'est décroché. Mise en colère? Vite, les ninjas, courez! Maxime? Attends, les ninjas ont dit non? En général, je ne les appelle pas par leur... Il va se faire écraser! Allez, Ninjaka, c'est l'heure d'être de vrais héros, tous ensemble! Ninja pouvoir magique! Bibou, dans la dent! Rapido, à la rescousse! Le plus méga muscle! On a réussi! Top là, Ninjaka! Merci, les pyjamasques! Désolée pour toutes ces disputes, Montagne! Hein? Oh. Non, c'est bon! Ils sont retournés en ville! Ils n'ont vraiment pas compris que la montagne était à tout le monde! Non, ça c'est sûr. Bien joué, les pyjamasques. Tu as fait du bon travail aussi, Ninjaka. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Les pyjamasques et Ninjaka côte à côte. Elle a vraiment quelque chose de magique, cette montagne. Tu l'as dit. Finalement, il y a assez de place pour tout le monde ici. Pyjamasques, on crie « Hourra !»